Je suis Aurélie Dena, jeune artiste plasticienne. Après mon bac, j'ai décidé de postuler pour le concours d'entrée en première année à l'Institut des Beaux-Arts. C'est là que je commence véritablement ma carrière artistique. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts, je suis ressortie avec un diplôme d'études supérieures en arts plastiques. L'exposition que je présente aujourd'hui s'intitule « Toile de vie ». « Toile de vie » est une exposition qui met en scène la situation actuelle du Cameroun. En fait, elle interroge chaque Camerounais sur les valeurs de paix et de solidarité. Parce que le constat vient du fait que, étant donné que le Cameroun est fragilisé en ce moment, à cause de la crise anglophone, la guerre, la fratricide, et puis aussi, nous avons aussi le tribalisme. Donc, j'invite chaque Camerounais à partager les symboles de solidarité, de paix, d'amour, de partage. Et j'invite à chaque Camerounais d'être unis. En fait, c'est le message que j'essaie de véhiculer à travers mon œuvre. Par exemple, nous avons l'installation Dialogue National, qui est une installation qui met en scène la situation actuelle du Cameroun. Et j'invite les Camerounais à venir dialoguer sur cette situation afin que la paix puisse revenir dans notre territoire. C'est tout. Merci aussi. Je suis M. Béchi Laurent. Je suis le médiateur, le guide médiatique de l'exposition Toile de vie de Aurélie Dena. Bon, c'est vrai que je suis historien d'art à l'université de Yaoundé 1, dans la faculté des arts, lettres et sciences humaines, département des arts et archéologie, section arts plastiques et histoire de l'art, et je suis historien d'art. Nous ne pouvons pas dire que nos objectifs sont déjà 5 sur 5 atteints. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore au finissage de cette exposition. Mais lorsque nous regardons les invités qui arrivent ça et là, qui arrivent minute by minute, nous comprenons bien que nos objectifs sont en cours d'être atteints. Pourquoi? Parce que tout le monde est vraiment émerveillé. Oui, Toile de vie, l'artiste estime que l'être humain est un être sociable. Et il devrait vivre dans cet esprit de sociabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on parcourt les œuvres de l'artiste, on constate que ces mutations artistiques nous transportent vers la civilisation du vivre ensemble. C'est un terme ou alors un thème interpellateur des mendiants sérieux de la paix. Voilà donc pourquoi nous sommes là pour promouvoir le vivre ensemble dans toute l'exposition Toile de vie que vous voyez sous la main. Cela veut dire que les thèmes que l'artiste nous propose à travers, par exemple, à l'entame de l'exposition, lorsque vous ancrez, nous avons cette installation, une scénographie où l'artiste présente le dialogue national, c'est-à-dire elle reprend dans d'autres termes le président Paul Biya le 10 septembre dernier, qui parle déjà du vivre ensemble, du dialogue national. Et l'artiste nous propose donc des valeurs phares telles que l'amour, l'amitié, la fraternité universelle, l'entraide, l'humanisme, la paix, le patriotisme et bien d'autres, l'union, qui sont au centre même de l'acte artistique, de l'acte culturel pour un Cameroun qui se veut uni. Le premier des artistes, comme on l'appelle, le dialogue national qui est donc, qui meuble la salle principale de cette villa. On est très heureux que vous ayez participé à cette initiative. Merci, merci infiniment. Je voudrais passer la parole à Aurélie. Salut, je suis Jean-Jacques Canté, plasticien. Je suis dans le domaine artistique depuis 1996. Et notre quotidien, c'est éduquer notre population par rapport à la question artistique. Et pour ma part, je pense que l'éducation artistique, c'est quelque chose qui apporte le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre.